Je vous attends. Comme un spartiate, avec résolution. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt? Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Alexios. Je te remercierais aussi si je connaissais ton nom. Brasidas de Sparte. Tu es depuis peu à Corinthe. Ah, tu es aussi espion. Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Antouza a des étahirs postés derrière chaque colonne. Ah, Antouza. C'est une adversaire, mais nous avons un ennemi commun. Le Maquignon. On souhaite tous les deux sa mort, mais de manière différente. Ainsi, le Maquignon gêne aussi Sparte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? C'est un homme qui a le bras long. Corinthe est l'allié de Sparte. C'est notre devoir de la protéger. Ce qui fait d'Antouza ton allié par défaut. Si on l'écoute, le sang du Maquignon doit couler dans les rues. Je préfère le tuer discrètement. Quel sort tu lui réserves ? Pour l'instant, le Maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Le seul moyen de le renverser, c'est de le tuer. C'est tout. Oui. Il est hermétique à la diplomatie. Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Ça devrait fonctionner, oui. Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Je ne quitterai pas Corinthe avant d'avoir tué le Maquignon. Cela te vaudrait la gratitude de Sparte. J'ai été un Spartiate. N'est plus le cas ? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taygetos lorsque j'étais enfant et qu'on me laisse pour mort. Tu es le fils du général Nikolaos ? Tous les Spartiates connaissent son nom. Et tu serais là, en vie ? Impossible ! J'ai survécu, et j'ai grandi seul pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent, et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrine. Seul Antouza peut m'y aider. Oui, Myrine. Tu ne saurais rien sur Myrine, par hasard. Je sais que personne ne mérite d'endurer seul une telle tragédie. Et on dit qu'elle a quitté Sparte cette nuit-là. Personne n'a oublié Myrine. D'après ce que je sais, elle aurait préféré qu'on l'oublie. Tu as connu Nikolaos. Un bon général, mais têtu comme une mule.
et récompensé pour sa loyauté. En réalité, on n'a jamais retrouvé son corps. C'est l'État qui l'a déclaré mort. Ne t'en fais pas. Je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. Et Dieu nous impose certaines épreuves, voilà tout. J'aimerais mieux les avoir de mon côté. Allons, Spartiate. Où serait le mérite? Au revoir, Brasidas. Oui, à bientôt. Je suis à tes côtés. Garde courage.